École des fans, comédie musicale, école des fans, Kamel Wally, école des fans avec Elsa qui est la première à se produire. Comment tu vas, Elsa ? Bien. Je te sens bien en forme, hein ? Oui. Tu viens d'où, Elsa ? Saint-Douchard. Alors où ça ? C'est dans le sud, c'est dans le nord ? Chabou. Chabou. Non ? Abou. Non, c'est pas Chabou ? À Bourges. Bourges. Ah ben, c'est dans le Cher, ça. Oui. C'est presque le centre de la France, c'est dans le Cher. D'accord. C'est ton papa et ta maman, je suppose, qui sont là, parce que je vois que vous avez quasiment les mêmes t-shirts. Oui. Comme ça, on est sûr de vous reconnaître. Oui. Tiens, dis-nous un petit mot sur ta maman. Comment elle s'appelle ? Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est quoi son métier ? Elle s'appelle Souk Davon. Et puis elle s'appelle comment ? Souk Davon. Souk Davon. Oui. C'est ça, d'accord. Et c'est de quelle origine ? Hein ? C'est de quelle origine ? Laotienne, j'aurais parié un petit billet. Laotienne. Souk Davon, c'est joli, dis donc, hein, comme prénom. Oui. Ton papa ? Olivier. Ton papa, on sent le Laotien pure race. Hein, quand on le voit comme ça. Comment il s'appelle ton papa, tu m'as dit ? Olivier. Olivier. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, Olivier ? Il fait de la peinture. Peinture. Ou peinture. Peinture comme ça ? Ah, peinture comme ça. Et c'est un bon peintre ? Oui. D'accord. Je sais que tu nous as amené une petite vidéo avec toute ta famille. Oui. Tu veux qu'on regarde ? Oui. Allez, tu es la première, Elsa. Regarde bien. Tu veux, Kamel, découvrir un peu la famille d'Elsa ? Oui, bien sûr. Elsa en famille, ça se passe là. C'est génial. Dis donc, t'as vu ça un peu ? Ah, c'est génial. C'est la famille comédie musicale. Qui vous a fait la chorégraphie ? Qui est-ce qui vous... Ah, le papa, la maman, les enfants, tout le monde en fait. Mais j'avais pas vu qu'il y a toute la rangée qui est là. Alors là, moi j'aimerais qu'ils viennent tous. Bah oui. Allez, montez sur scène. Tu vas me les présenter, Elsa. Donc, tu m'as dit, ta maman. Souk Davon. Ton papa. Olivier. Olivier, dis donc, il y va. Ensuite. Il y a Rudy. Rudy, c'est qui, ton frère ? Oui, mon petit frère. Ah, ton petit frère, Rudy, qui est là, le grand, là. Mathieu. Mathieu. Olivia. Théo. Alicia et Chloé. Olivier, bravo. Hein. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Chapeau. Ouais, hein. Bon, non pas que les autres ne soient pas bons, mais vous y allez. Hein. Bon, vous me feriez une petite chose, là ? Qu'est-ce que vous pourriez me faire, Elsa, là ? Une danse. Vous me faites une petite danse en famille. Qu'est-ce que tu as choisi comme danse ? Zoomé. Eh bien, écoute, ça me paraît plutôt bien. Alors, je ne sais pas comment on pourrait se mettre. Je vais peut-être enlever le micro, puis vous vous disposez comme vous... Comme... Là ? Ah ben, oui, pas trop loin quand même pour que Didier Fraisse puisse affiner ses caméras. Et allez, c'est parti, musique ! Je dis 10.
Je pense que tu peux pas dire autrement. Ah ouais, alors là, on est bluffé. On met 10. Ah ouais, on met 10. Franchement, franchement. Hey, regardez. On met 10. C'est 4. Minimum. C'est, regardez, regardez, regardez ça. 10. Attends, Olivier. Franchement, là, vous méritez le 10. C'est vrai, avant que je revienne un peu sur... Mais franchement, qui est-ce qui fait ces chorégraphies? Tiens, tu peux venir, hein, si tu veux, Kamel, si tu veux discuter avec, parce que... Ah ouais, c'est impressionnant de la voir, hein. Non, ah non, mais vous m'avez inspiré, là, les prochaines chorégraphies, il y a plein de trucs, là. Non, c'est bien, c'est bien. Mais c'est un peu nous tous, en fin de compte, les enfants, mais tous un petit peu de ce qu'on sait faire un petit peu, et puis voilà, c'est vraiment le plaisir, hein, c'est... On le fait en famille, en fin de compte, on fait plein de petits sketchs aussi, l'autodérision et tout ça, ainsi de suite. Ok, super. Bah, c'est génial. Et, mais j'ai pas bien compris. Vous êtes tous de la même famille, là ? Oui, c'est ma femme. Ça fait 23 ans que je suis avec ma femme. Et nous allons avoir le 8e enfant. Il y a le 8e qui arrive. Ah, mais... c'est vrai ? Oui. Eh bien, Olivier, félicitations. Bravo. Bah, j'espère que ça sera un bon souvenir pour vous. Très bien, je pense. Vous avez été formés, là. Mais c'est pas fini pour Elsa. Alors, Elsa, c'est la numéro combien ? La 5e. Cinquième. Et cinquième. Vous êtes sûr? Oui, c'est... certaine. Bon, et ben, tiens, je vous fais la bise. Je vous félicite tous. Je vous laisse, tiens, attention, là, je vous laisse vous réinstaller tranquillement. Attention de ne pas tomber, surtout, parce que c'est un peu hard. T'as vu ça? Tu vois comme quoi, un petit peu partout en France, là, ils viennent de Bourges. Dans le Cher. C'est extraordinaire. Et là, et même la chorégraphie tout à l'heure, il y avait quelque chose aussi, hein, c'était... Voilà, bah dis donc Elsa, tu dois pas t'ennuyer toi à la maison? Non. C'est sympa quand tu rentres de l'école comme ça. Oui. Qu'est-ce que tu veux nous chanter Elsa? Être à la hauteur. Alors, être à la hauteur, c'était quoi? C'était le Roi Soleil ça? C'était le Roi Soleil, c'était Emmanuel Moir. Emmanuel Moir, ouais. Emmanuel Moir. Mitch, une petite note, ça va? Tu as eu le temps de reprendre ton souffle? Oui. Attends, je te baisse un peu le micro, on fait un petit essai de voix. On y va? Oui. Alors, être à la hauteur, c'est un extrait du Roi Soleil, et c'est Elsa qui nous l'interprète avec vos applaudissements, évidemment. Je me lève jour après jour, c'est un jour ordinaire. J'en connais déjà le coup, le poids d'un parcours nécessaire. Que je dois faire, parce qu'on n'a jamais le choix de ces murs de sa terre qui nous enferment à l'étroit d'une grandeur solitaire. Mais pourquoi faire? Super Elsa, tiens je te fais une bise.